Yo yo yo, la famille, c'est Crackflow. Welcome back sur la plateforme Crackflow sur le terre-terre, guys. Comme tu as pu le voir, voilà, le background a encore changé. Je suis fatigué de mettre tout, voilà, les raccords et tout, etc. Voilà, aujourd'hui, on fait simple. Et voilà, t'es dans mon studio, fais comme chez toi. Et au passage, bientôt le premier anniversaire de la chaîne Crackflow. Pour cela, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Peut-être la deuxième partie de l'évolution du rap Gaboma ou encore la deuxième partie du hip-hop sud-coréen. Donc, on sait pas, peut-être que, voilà. Si ça vous dit, les gars, mettez-moi ça dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo d'un gars. Voilà, c'est un frangin qui m'a envoyé la vidéo. Comme ça, il m'a dit, vas-y, Crackflow, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu vas aimer. Écoute le son. Je voulais réagir avec vous, guys, après la première écoute. Deuxième, troisième écoute, je me suis dit, god damn it. En effet, il faut que je puisse faire une vidéo. Les gars sont juste solides. Surtout, voilà, j'ai ma toute petite idée hein, sur le son. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses du hip-hop Gaboma? Surtout, le rap 2.0. Donc, sans plus tarder, abonne-toi, active la cloche de notification. Tu connais la chanson, les bye guys. Et nous, on se retrouve après le générique. Kaja! J'ai les chimiques, j'ai la vista Crackflow. Yo, 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 la famille, c'est Crackflow. Welcome back sur le terre-terre, sur la plateforme Crackflow. Pour une nouvelle vidéo dinguerie, aujourd'hui on va faire une réaction sur un son que j'ai kiffé, comme je le disais, notamment, voilà, c'est un frangin qui me l'a envoyé. Au passage, je lance, voilà, voilà un truc comme ça, si tu as une chaîne YouTube ou encore, voilà, un son que tu veux faire ta publicité, je te le permets, mets ça dans l'espace commentaire et vous, guys, voilà, donnez vos avis, commentez, abonnez-vous, partagez au max. Donc aujourd'hui, sur ce, nous allons attaquer cette réaction. Guys, donne-moi ton avis parce que je t'assure, ça va être lit. J'espère que tu es prêt et sans plus tarder, Kaja! C'est le McDo du coin? Il est fâché, quoi. Black le duel P, et que Edel P, et que Ezama il me beurre. Le duel des maîtres. Mais t'es fou. Je n'ai pas droit à l'échec. Je suis contre le réussir. Je suis obligé de taffer dur pour ceux qui me désirent. Non. Kiff la punchline de l'entrée du gars. Mais bon, avant ça, déjà je salue vrai. Voilà le hip-hop qui se passe actuellement en Afrique, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal. Au Sénégal, pensée très forte pour mes amis sénégalais, mais aussi en Côte d'Ivoire. Bref, déjà, qui a fait l'instru? Qui a fait l'instrumental, les gars? C'est juste crazy. Non, sérieux. Pour moi, c'est Metro Boomin actuellement du Gabon. Sincèrement, dites-moi son nom dans l'espace commentaire, les gars. Et sans plus tarder, je vais faire revenir un peu le son. Kiff l'instrumental, kiff l'instru et kiff le gars qui arrive. Kaja. Il est au McDo, tranquille, on l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Il est fatigué, il est fâché. C'est quoi m'appeler rappé? Pourquoi? C'est quoi? Black le DLP, DLP, duel de maître, Cypher. Petit food, je n'ai pas de l'échec. Je suis contre de réussir. Je suis obligé de taffer dur pour ceux qui me désirent. J'attends qu'ils percent d'abord, puis après je déchire. Fermez les portes, je n'ai pas le temps, je faufile dans les fissures. T'as pas dû déplacer le black, je vais laisser des blessures. Rapper sur un big dang, ouais, c'est toujours un plaisir. Technique réfléchie, contempler mon effigie. Tu me donnes ton cœur, moi, c'est te faire ce que j'ai saisi. Écoute et apprécie, joue pas les imbéciles. J'aime piéger les bâtards, aime piéger les dociles. J'ai le flow de l'Hiroshima, c'est les wars que je décime. La batterie s'arrête quand je décide. Massacre indécis. Bienvenue chez les Gissirs. T'es le roi chez toi là-bas. Moi je suis le roi ici. Oh, Azam. Magnard dit ongolre. Mais le fin bois n'aime. Magnard dit abelre. Non. C'est juste un malade. C'est qui? Dead Pig. Oh shit. Désolé les gars.
nous allons reprendre. Mais non, c'est juste malade. Il me rend crazy, il me rend trop fou. Del Pega featuring Bene, duel des maîtres, Cypher. Déjà en Cypher, je sais pas, c'est Rodzen qui l'avait fait. Je sais pas si c'est Cypher 8 qui commence, je crois. Hein. En tout cas, j'ai fait le Cypher 7. Si je me rappelle très bien, c'est sur Crackflow. Maintenant là, c'est une nouvelle vague des cyphers. Je t'assure, ça va être malade. C'est un peu le show me de monnaie du Gabon. Bah oui, clairement. Goddammit, Del Pega featuring Bene, le duel de maître. Les gars, ce sont juste des maîtres. On va continuer. Mais ah bon, au passage, pour mettre un peu, voilà, de l'originalité, mais surtout pour comprendre ce qu'il dit. Déjà, au passage, il rappe en langue guissir. Faux, je sais pas trop, mais il mélange, voilà, les origines du Gabon, il mélange les langues ethniques parlées au Gabon, c'est juste trop magnifique, c'est chouette, je valide, 100% guys, je valide, sans plus tarder, Kaja, turn up! Oh, Hazard. Où sont les bavards? Ils vont en baver. Mettez les bavards. Bavard, je kick. Fini les ronfleurs. Ce que je renferme, c'est qui me renforce. C'est mon éthique. Premier devant moi, c'est une métaphore. Faut que tu t'affores pour que je kick. Drogué au café, ils ont le cafard. Avec les gaffards dans mon équipe. J'ai le feu qu'on ne voit nulle part. Quand je suis là, tu ne comptes pas. Jamais ne compte pas. Prenez les pelles, je vous apprends à creuser les cartes. Ils se demandent où me vient l'inspi. J'aime même pas qui a fait l'inspi. Hein? Non. Guys. Moi, je suis bien assis, ça c'est sûr. Je suis trop bien assis. Le gars, il dit quoi dans ses punchs? Déjà, il enchaîne punch sur punchline. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le frangin, big up à toi. Voilà, c'est une petite publicité du frangin. Mais bon, le gars, il dit, voilà, ils ont le cafard. Ils gardent trop fort dans mon équipe. Hein? Oh, les gars, ils sont juste trop malades. J'arrive même pas à trouver les mots pour expliquer ce qu'ils racontent. Mais c'est juste une pluie de punchline, gars crazy dingue. Et au passage, il demande, je sais même pas qui a fait l'instru. Les gars, qui a fait l'instru? Non. Moi, j'ai quelque chose à dire à ce gars. Qui a fait l'instrumental de ce son? God damn it. Metro Booming, t'as mon chapeau. Chapeau, guys. Chapeau. Oh, sans plus tarder, Kaja. Sinon, on va pas bien lire la vidéo. Donc, sans plus tarder, Kaja. Black c'est le vent, black c'est l'air. La route est barrée mais j'accélère. Ouais je sens que c'est l'air. Non ma peut pas rappeler s'il y a pas de salaire. Non, génération naze. Je ne vois que les gars. J'ai le fleur de dos. Cam, Sirocco c'est Baponga. Dans la foulée je me fonds. Je fais les jeux de phare. Phare. Le tardif chez le fandom obligé de faire. Faire. J'aime bien comme le mangamba et les jets de cuir. La lumière dans l'ombre, en erreur on ne peut pas m'induire. Non. Lorsqu'ils entendent que Black arrive, obligé de fuir. D'ami du rap, je suis le processeur. J'ai déjà fait mes preuves, j'ai les processeurs. Sure. Je suis dans la prophétie élève, mais l'élève qui dépasse tous les professeurs. La lumière, bro. Je rends le cypher illuminé. Oh, non, tu ne peux pas, papa. J'ai les techniques de l'élimina. Depuis longtemps qu'on attend la relève, je suis le bon signe. Yeah. Ce qui me dit stingue, c'est le bon signe. Non. C'est le bon élève. Voilà le bon signe. Ce qui veut dire qu'il est temps de pouvoir faire la deuxième partie de l'évolution du hip-hop Gaboma. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et je vais me faire le plaisir de te faire la deuxième partie du Hip-Hop Gaboma 2.0. Donc, c'est le bon signe, c'est l'élève qui dépasse le maître. Le gars est juste trop malade, mais attention, il y a un deuxième qui arrive jusqu'au bout. Kaja! Bro, il n'y a pas de casting, travaille un jour et tu seras la relève, voici la consigne. Yeah. Yeah. Bene. Et la charge massive. Si. Ouh. Side. Je suis un genre d'étoile qu'on ne retrouve que sur Terre. Je n'ai pas la Terre. Toile, les wacks ont fait trop de poussière. Poussière. Pousse frère, fais de la place, on n'a pas de temps à perdre. Car au bout du compte, on finit tous au cimetière. Tierre, non. Tu me juges, donc c'est toi le dieu sur hein? Terre. Moi, non. Je suis doté d'une parole, j'ai du mal à me le taire. Je rappe pour les mondes, pour le peuple et les intérêts. Je suis le hic de la hache, je viens planter le serveur. Oh. Pour allumer les cerveaux, je ramène un texte vrai. Dites oh. À vos MC que Bene, c'est le gars qui kick sec. Oui, j'arrive, t'es une fusée, mais je rentre en finesse. Ouais, t'as pas saisis mon idée car je geste en vitesse. On peut faire la même dictée mais ce n'est pas le même texte. Tu
Tu sais qu'on n'est pas pareil, ne me dis pas le contraire. D'entrée, je cogne pas, j'attends que la porte s'ouvre. Y'a mon cruise de l'autre côté, il sait que je suis de retour. Les rappeurs n'ont plus la touche, donc faut que je retouche. Je ne peux pas côtoyer la touche, car je fais toujours mouche. Mouf, je te bouffe même quand je m'étouffe. Et quand le beat se tait, je fais la pause pour prendre le souffle. Ce rap coule dans mes veines. Tu ne sais pas comment c'est cool de faire couler les verres. Couler la sueur sur scène lors des sound systems. Je fais des performances que je serai de permanence. Je veux pas perdre la manche. Gardien du micro, je me prends garant de faire du sale pendant que tous ces wacks s'allongent dans leur salle de fête. T'as misé sur mon échec, t'as eu ta sale défaite. Mon rap ce n'est pas que des mots, il soigne le mal de tête. Je ne suis pas un idiot, je fais pas du rap de bête. La différence entre nous, c'est qu'on est deux. Et ben, y'a que ton corps qui a pris du poids depuis que ta plume est légère. Je n'ai guère besoin de faire la guerre, mais j'ai pas le choix. Pas le choix. C'est un combat, donc je me bats à chaque fois. Pour ne pas se faire dominer, faut que tu t'aides ta proie. Garder le sang-froid, protéger les frères sans se faire prendre, sans jeter l'éponge. Pensez à la suite avant que la mort ne nous éponge. Non. On se demande c'est qui ça vient du sud side. Big up à tous les poids, et ce n'est qu'un freestyle. Ils se demandent c'est qui ça vient du sud side. Big up à tous les poids, et ce n'est qu'un freestyle. Ils se demandent c'est qui ça vient du sud side. Big up à tous les quoi, et ce n'est qu'un freestyle. Niggas, Kadhaf Empire. Ouais, 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 les gars, je valide. 100%. Kadhamit, je valide. Déjà, au passage, je pense que c'est le frangin à côté. Je sais pas si tu peux voir celui-là. Je pense que hein, tu peux voir. Voilà, c'est le frangin au passage. Je pense que j'ai vu 2-3 de ses vidéos. Il fait des instruits. Mais bon, je ne sais pas si c'est le cas. Dites-moi, Crackflow, you right, en commentaire, dans l'espace commentaire. On va finir quand même. Voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin? Bon, le patron est arrivé, hein. Bah ouais, il a laissé le taf, le patron est arrivé. Mais donc, c'est Kadhaf Empire, le duel de maître, Cypher. Donc au passage, je pense que le Cypher a repris. Et c'est sur Crackflow, nous allons kiffer, voilà, toute la génération hip-hop Kaboma, c'est sur Crackflow. Donc sans plus tarder, j'espère que tu as aimé la vidéo, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, voilà, dans l'espace commentaire. Et aussi, si tu as une chaîne YouTube ou encore de la musique, du son, mets ça dans l'espace commentaire. Voilà, je lance comme ça, c'est une première fois. Donc mets ça dans l'espace commentaire et surtout, on se retrouve pour des nouvelles vidéos sur Crackflow. Kaja! Crackflow, crackflow, crackflow. J'ai les chimiques, j'ai la